je pense que tu abuses déjà. Qu'est-ce que j'ai fait, chérie? Jusqu'où ta jalousie maladive va te conduire? Tu te comportes très mal avec toutes les voisines dans les environs. Si tu ne souriais pas avec toutes ces femmes, je ne serais pas retrouvée en train de mal me comporter avec ces vautours. Il y a quoi de mal à sourire avec les voisines? Tu penses que je ne vois pas les yeux d'où qu'elles te font? Je n'approuve pas. Mon homme est à moi et je le partagerai avec personne. Il va vraiment falloir que tu te calmes. Et arrête de voir le mal partout. Arrête de dessiner le diable sur toutes les portes. Si tu veux que je me calme, alors dis à toutes ces femmes que tu as en couple et qu'elles te foutent de la paix. Tu vas vraiment être folle. Je t'aurais prévenu. Je pense que tu devrais prendre le comportement de Céline comme une preuve d'amour. Non, elle abuse. Elle menace littéralement toutes les femmes qui s'approchent de moi. N'oublie pas que tu as toujours dit que les femmes ne savent pas aimer. Voilà donc ça. Et toi, est-ce que tu te comportes? Non. Voilà. Mais tout le monde n'a pas la même façon d'exprimer ses sentiments. Bon, je ferai un tour chez toi, question de parler un peu avec elle. Merci, ça me fera vraiment plaisir. Ok, faut que je parte, mon chéri m'attend déjà. Ok, tu lui passes le bonjour de la part de son beau-frère. D'accord. Bye. Bonne journée. Merci. Je me sens super belle cette année. Je vois ça. Je te trouve aussi très dynamique. Oui. Je m'investis pour que ma relation marche. Je suis contente pour toi. Mais dis-moi, tu prends toujours tes médicaments? Bien sûr que oui. C'est quoi cette question? Je ne suis plus une gamine quand même. C'est vrai. Mais je te connais, Céline. Tu es d'abord tes moments très imprévisibles. Arrête de parler comme ça, Tina. Bon, profitons du moment qu'on passe ensemble. Ok. Elias, j'ai mûrement réfléchi. Je pense qu'il est temps pour moi de demander la main de ma copine. Tu parles de Céline? Oui, bien sûr. Tu as mûrement réfléchi à cette décision? Oui, j'ai bien réfléchi. Tu sais, je l'aime et je sais qu'elle m'aime également. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il ne faut pas donner son avis sur des questions de cœur. Mais je pense qu'il faut prendre son temps avant de prendre une telle décision. T'inquiète pas. Tu sais, je suis un grand garçon et j'ai réfléchi longtemps sur la question. Alors, en tant que ton ami, si tu as mûrement réfléchi cette décision, alors je t'apporte tout mon soutien. Merci. Bon, le temps pour moi de mettre un pantalon et on y va comme prévu. Ah, Céline, tu es là. Bonsoir. Bonsoir n'est pas bon. Visiblement, tu es mon ennemi. Pourquoi tu te demandes de ne pas m'épouser? Bon, on va faire court. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais que tu mettes tes pieds dans cette maison. J'espère que je me fais comprendre. N'importe quoi. Ah, chérie, j'étais en train de demander à ton ami de vous passer demain vu que j'ai pas pu faire à manger aujourd'hui. Tu sais, j'étais dehors. Donc, s'il revient demain, ça sera une bonne chose. Ok. Bon, Elias, on y va. Ne rentrez pas tard. Thank you.
belle. Toi aussi, tu es magnifique comme toujours. Merci beaucoup. Assieds-toi. Merci. Comment alors? Je vais bien et toi? Ça va bien. Waouh, ça fait vraiment un bail, je ne suis pas repassée par ici. Ouais. Ça a beaucoup changé, c'est très beau. Il fallait un nouveau décor, tu vois. Je kiffe de ouf. Merci. Et ça sent super bon. Ah. Juna est là. Normalement, il devrait être là, mais ça bosse la pellicule. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est toi que je venais voir. Ah bon? D'accord. Je t'écoute. Juna m'a fait part de ton comportement vis-à-vis de toutes les femmes qui l'approchent. Ah. Et t'as dit quoi exactement? Que... Ah, je vois. Toi aussi, mon mec t'intéresse, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je te vois venir. Sache que Juna est à moi. Et personne de vous ne va me l'arracher. Je dis bien personne! Arrête, Céline! Tu me fais peur! Tu devrais avoir peur. Bon, Josie. Je t'offre un truc à boire. Il y a du jus, du whisky, du yaourt, de l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Rien, merci. Je crois que je vais partir. D'accord. Bye bye. Allô maman, je suis vraiment inquiète pour Juna. Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Je ne vais nulle part. Toi, tu te casses. Pardon? Je viens de perdre mon boulot à cause de ta jalousie. Ma boss m'a appelé d'urgence pour me renvoyer. Parce que tu l'as assez de me laisser. Et pourtant, il n'y a rien entre elle et moi. Tu veux dire que tu ne vois pas sa manière de te parler, de te regarder? Son désir d'être toujours auprès de toi? Cette femme est amoureuse de toi. Arrête un peu avec ta paranoïa. Tu penses que c'est toutes les femmes qui s'intéressent à moi? Je suis un homme, tout ce qu'il y a de plus banal. Céline, je t'ai pas connue comme ça. Et en plus, je sais même pas pourquoi je m'explique. Attends. C'est mieux qu'on reste chacun de son côté pour mieux réfléchir. Non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Les larmes de crocodile ne changeront rien. J'ai besoin d'un verre d'eau. Tu sais où se trouve la cuisine.
Vraiment. Calme-toi, mon bébé. Je t'avais dit que toi et moi, c'est pour la vie, non? Je suis sûre que tu pensais que je blaguais. Que folle. Tiens-toi tranquille. Accepte que je suis ta femme. Et je vais te détacher. Vraiment. Tu n'es qu'une folle dingue, la police va régler ton histoire. Au secours! Allez! Allez! Lâche-moi! Arrête ça! Tu parles un peu trop. J'ai l'impression que tu crois que c'est un amusement. Pour te montrer que je ne suis pas en train de rigoler. Mais tu es folle! Tu décides de te réveiller. Pourquoi tu fais ça? Mange, ça va refroidir. Lève-toi. Bon, je pense que tu peux le faire seul. Tu as encore l'usage de tes mains. Tu es têtu. Fini de manger, j'ai envie de toi. Ça fait plusieurs jours que son numéro ne passe pas. Je n'ai vraiment pas envie de monter là-bas. Hey, je fais comment? Bonjour Josie. Bonjour Gina. Tu vas où? Je suis en train d'aller chez Gina. Ça fait plusieurs jours que je n'arrive pas à voir Céline au téléphone. Pareil. Ça fait plusieurs jours que le numéro de Juna ne passe pas. Et je n'ai vraiment pas envie de monter là-bas. J'évite de croiser Céline. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que Juna va bien. Ça veut dire quoi? Céline est malade. Elle est mentalement instable. Elle est atteinte de la paranoïa. Quand elle suit son traitement, tout va bien. Mais qu'elle arrête de prendre, elle devient dangereuse pour tout le monde et même pour elle. Et cela depuis la mort de sa mère. Pardon? Donc tu es au courant d'une telle chose et tu l'as laissé se mettre en relation avec mon frère? Elle suivait très bien son traitement, du coup je me suis dit qu'elle avait droit à une chance en amour. Et pourquoi tu n'en as pas parlé à Juna? C'est à elle de le faire. J'y crois pas. Allons-y.
qu'est-ce que tu fais? Donc tu ne m'aimes pas. Au secours! Aidez-moi! Tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Allez! Moi, je t'aime. Non. Viens par là! Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! Tais-toi! Allez! Tais-toi! Tais-toi! Allez! Tais-toi! Allez! Même là! Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît! Sortez de chez moi! Qu'est-ce que tu as fait? Sortez! Qu'est-ce que tu as fait? Céline, calme-toi! Laisse-moi! 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 Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Hey! Juna! Merci! Je ne peux pas, elle m'a brisé les genoux!